En 2019, alors étudiant en journalisme, un prof, Damien Von m'a ouvert les portes d'un monde fascinant. Il m'a appris que l'on pouvait créer des applications mobiles sans avoir à se plonger dans les méandres du code. Il m'a introduit à Glide, un outil qui permet de transformer un tableur Excel en une application mobile sans avoir à écrire de code. Au fur et à mesure de ma découverte de l'outil, je suis tombé sur un terme qui m'était totalement inconnu à l'époque, le no-code. En 2023, j'ai eu l'envie de vous emmener à la rencontre de ce qui se cache derrière ce simple mot no code. À A travers ce documentaire, je souhaite vous faire explorer la création de ces outils, vous présenter les passionnés qui les utilisent et surtout vous immerger dans la plus grande communauté no-code au monde, nocode France. Alors ensemble, allons à la rencontre de cette révolution no-code. Pour moi... La définition du no code c'est pouvoir faire toi euh, tout seul tout ce qu'avant qu il fallait faire pour coder. Par exemple, avant euh, faire un site internet, il fallait coder. Avant avoir un outil faire un CRM, il fallait coder. Ce sont des outils qui te permettent de faire des, 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 des produits en ligne sans forcément savoir coder. I think for me no code more like pre-coded building blocks or basically you know if you don't know how to code and want to make a website you can super easily do that by just combining these modules that are already built for you right so you don't actually need to know how to code. le titre provisoire de ma thèse c'est devenir développeur sans savoir coder la transformation des pratiques de création numérique dans le cadre du communauté nord No Code france. quand j'ai parlé pour la première fois de ce sujet à mon directeur de thèse il n'a pas compris. Soutenir la proposition de, de thèse sur un sujet comme ça, c'est compliqué parce qu'il faut beaucoup vulgariser en fait. Quand j'ai commencé à parler à des gens, etc., la première chose qui m'a frappé, c'est vraiment euh, la divergence dans la définition de la pratique, au point où on pourrait se demander en fait, est-ce que nos codes, ça existe Dans le cadre d'un boulot que j'avais avant. Je travaillais à Munich à l'époque, en Allemagne, et j'ai eu besoin d'un outil en fait pour développer un prototype dans le cadre d'un projet. J'étais un peu à bout des outils typiques, on va dire de prototypage design, ce que j'utilisais beaucoup à l'époque, et je suis tombé sur Bubble. Et donc, j'ai pu faire une première application Bubble, euh, qui était terrible à l'époque, quand j'y repense, mais qui était une application, qui était pas... Un... Je dirais que c'était pas un prototype juste point and click, comme on pouvait dire à l'époque. Je me souviens vraiment avoir euh, entre guillemets, être converti par rapport à l'outil. Et plus qu'à l'outil, à il y a de se dire, en fait, euh, j'ai pas besoin de faire du code pour développer des choses, mes idées, mes prototypes, euh, mes choses comme ça. J'ai passé mes soirées à faire du bubble de mon côté. Au bout de six mois, je me suis dit, tiens, c'est cool, euh, je, je gère pleinement bubble, entre guillemets. Un an plus tard, je me suis dit, en fait, je rien il y a six mois. Quoi. Et, et je continue quand même à me le dire, même si tu vois, je pense que la courbe est un peu comme ça. Comme on est un des premiers outils dans, du No-Code, c'est un peu difficile à, à dire. J'ai envie de dire, ma première rencontre avec le No-Code, c'était ma première rencontre avec mon associé Josh, qui était assez particulière dans notre cas, parce qu'on s'est associé tout de suite, en fait. On s'est associé sur notre premier café, on ne se connaissait pas. Euh, et à la base, d'ailleurs, c'est son idée. Moi, je l'ai rejoint, je l'ai rejoint après quelques semaines. Euh, et donc, oui, je me rappelle très bien de cette rencontre. Mais à l'époque, ça ne s'appelait pas le no code C'est un investisseur à New York, d'ailleurs, qui a trouvé ce, ce terme, en parlant plus du monde enterprise, d'ailleurs, entreprise, pas, pas vraiment le monde du, des makers. Moi, je, depuis le début, nous, on appelle ça programmation visuelle, qui, je pense, en fait, est une meilleure euh, meilleur description, mais n'a pas la, le côté un peu catchy, euh, buzzy de, de NOCON. On est deux cofondateurs. L'autre cofondateur est néerlandais et basé à côté d'Amsterdam. Et on s'est rencontrés sur le forum de Bobal. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire des projets à deux On s'est donné six mois avec un peu un, un objectif en termes financiers. En disant, voilà, nous, on va en sortir tant euh, par personne. Donc moi, tu vois, j'avais déjà une fille, euh, Vincent a quatre enfants. Il en avait trois à l'époque. Alors le début était assez particulier, tu vois. Je me souviens des premières discussions, on avait envie de se dire, tiens, on bosse à deux. Mais très vite, c'était la question... Euh, ah, mais c'est moi qui ai ramené ce projet. Si je l'avais fait tout seul, finalement, je gagnerais double. Tu vois, il y avait toujours un peu ce, ce truc-là de départ. Je pense que ça s'est très vite effacé après le premier projet. Tu passes à un autre stade quand tu ne fais plus du bubble tout seul, mais tu le fais à plusieurs, même à deux. Tu es obligé d'en parler déjà. Et ça, ça te, fait, ça te fait accélérer, je pense, ton apprentissage et ta maîtrise de l'outil aussi. Aujourd'hui, dans l'agence, on doit être entre 15 et 20, je pense, l'équipe. Euh, personne est Personne n'a été d'ailleurs. Vous voulez remplacer le... le... L'éternel problème qui est de trouver un cofondateur technique ou un CTO. les personnes n'arrivait. À... Et à l'époque, les gens ne trouvaient pas et on trouvait que c'était stupide parce que la plupart des gens qu'on voyait qui cherchaient des CTO avaient souvent des bonnes idées. Alors, peut-être que toutes n'auraient pas marché, toutes n'étaient pas forcément proches à Facebook, mais il y avait beaucoup de bonnes idées qui clairement auraient amélioré le... la vie de quelqu'un pour un métier ou un vertical particulier. Et ils pouvaient pas le faire parce qu'ils n'avaient pas les compétences techniques. Et en truc, c'était du gâchis. Et aussi, une certaine injustice, en fait. C'est-à-dire que si. En fait, c'était les hasards de la vie. Si on avait été exposé au code petit, ou si on était assis au collège en sixième à côté de quelqu'un qui est devenu un ingénieur, bah on avait notre meilleur ami qui était un ingénieur et que du coup on pouvait lancer une boîte avec lui. Mais si on n'avait pas eu ça, on pouvait pas. Et on trouvait que c'était assez injuste. Finalement, on parle plus de nos codes à un moment donné. Il y a quand même de ça mmh. où c'est tellement intégré dans c'est de la c'est la construction d'applications, c'est de la construction de technologie. Comme le code en est une, le no code en est. une. D'ailleurs, le... le code d'une manière ou d'une autre, on a tendance à opposer, mais... Quand tu crées tes briques dans Bubble, tu crées du code sous-jacent en fait. C'est la même chose d'une manière ou d'une autre. D'où l'abstraction. C'est rien d'autre qu'une abstraction au-dessus. Mais est-ce qu'au fond le no-code c'est pas un petit peu magique? Ça ressemble à quoi d'utiliser du no-code? C'est quoi vraiment les usages du no-code et, et surtout c'est quoi ses avantages? It's a beautiful morning. In Marin County, California. That's where I came from yesterday. You are Sheriff Fred Marziano. And you're doing your normal morning routine, of checking, uh, checking on the agenda at the office when you get a, an a emergency bulletin on your radio. Sheriff, there's a huge storm coming in two days. And it's going to be a doozy. This is uh, it's a bigger storm than we're used to, and we really need to uh, put our heads together to make sure our citizens are safe. So I want you right now, pretend you're the sheriff and think of what is the one thing that you're going to do to help people stay safe in this storm? So on three, everyone is going to shout out the thing that you're going to do as sheriff. One, two, three. Make an app. <laughs> I didn't hear anyone say that. Um, that's a weird idea. But in this case it's true. Uh, the sheriff of Marin County, California, when faced with an unprecedented storm, in 48 hours built a Glide app and gave it to 40,000 citizens. And the app had all the up to date information about the storm, including the road closures, emergency help, where they could get supplies. And this is a very unusual move for a sheriff. Um, and this is not the business case for no code, but I wanted to share this example because in 48 hours someone with a problem with no technical skill made a new piece of software and distributed it to 40,000 people. The 40,000 people part is incredible, but the, the interesting thing I think is not a technical person, novel problem that usually don't think of having software as a solution, created software to solve the problem. Moi je fais du no code euh, tous les jours. dans le cadre de mon travail, mais aussi sur mon temps perso. Quand j'avais 30 ans, j'ai perdu mon petit frère de façon très brutale. Et à ce moment-là, j'ai ressenti le besoin très fort de, de m'arrêter. que je suis petite je voulais être prof Maître de conf c'était mon délire mon grand-père était écrivain et il a eu un, le prix goncourt en écrivant son premier roman euh, autobiographique un été pendant les vacances scolaires c'est cette notion de, de transmission que, que j'ai vraiment depuis que je suis enfant dans mes missions chez Web il y a vraiment ça très fort de transmission enfin là je viens de sortir un, un, un cours de programmation visuelle il y a, il y a six mois je ne savais pas la moitié de ce que j'enseigne je, de dedans donc il y a un côté très stimulant pour moi ou au contraire de m'atrophier, j'ai l'impression d'évoluer tous les jours et d'apprendre tous les jours. Et en plus, j'ai cette opportunité de transmettre ça. WeWeb, c'est un front-end builder. Donc, ça te permet de créer l'interface utilisateur de tes applications web. Tu auras forcément besoin d'une base de données externe. Avec WeWeb, les, les gens font plein de choses différentes, en fait. Il y a beaucoup de solopreneurs, solopreneuses qui testent des idées, qui créent des outils, qui ont une idée de business. On a des gens qui travaillent dans leur boîte et qui font des outils pour leur boîte. Typiquement, on, on a par exemple, um, Kian, qui est aux États-Unis, qui travaille pour un hôpital et en fait, qui a développé une application web, même plusieurs maintenant, mais notamment une sur Web qui lui permet aux gens de ces départements de faire des quiz, de s'entraîner, d'apprendre de, des choses qu'ils ont besoin d'apprendre au quotidien. pour moi apprendre le no code c'est vraiment accessible ça ne veut pas dire du tout que c'est facile et ça ne veut pas dire que ça se fait une semaine pas du tout en revanche, c'est beaucoup plus accessible et ça ne veut pas dire non plus que c'est pour tout le monde. Il faut quand même aimer ça, il faut avoir envie de le faire. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais hyper réfractaire. Je comprenais pas. Dit, mais je peux faire tout ça sur WordPress. Enfin, pourquoi vous mettez avec Webflow Et c'était une développeuse qui, était, euh, qui faisait 42 à l'époque. qui faisait l'école 42. Il disait, bah, Je ne sais pas. » Moi, on m'a demandé de faire ce cours Webflow, donc euh, je vous le fais. Et En vrai, c'est hyper puissant. Donc elle avait ce regard quand même de dev. Puissance de Webflow et c'est vrai qu'avec leur recul, hein. Enfin, maintenant, je I, prefer largement flow, I think my first encounter with no code was actually after we launched Tally. It wasn't really like a term that we were very familiar with in Belgium. I think still like the community is pretty small. But I guess actually by talking to some people in the no code France community um, that tried out the tool and gave us some feedback very early on, we kind of. Yeah, got to know the the term no code for the first time. Main goal of Tally is like to have a to to just help creators to build collect data and build forms really easily. Forms kept on coming back. It was something that we've both used before. We also just recently had to use a form with the previous startup and the experience was was not fun, you know. It was something that we felt like everyone has to do a form uh, even if it's not like a complicated use case like either it's going to be a feedback form or like book report form like job application form whatever uh, someone always needs to do a form in the, in the business and it's always like a, a task that you hate to do can we make forms fun you know can it be something uh, something like like notion right well, I thought Notion made note-taking or writing documentation or wikis fun. Can we do the same for forms? When we launched, you couldn't pay for the product. Um, so, we, and then after I think a couple of months, we had like someone that reached out to us and then actually wanted to pay because he was like, you know, I really value the software and can I pay for it? So then we thought, OK, yeah, we must be building something good. But the whole idea behind the free plan has always been that, you know, we're small, we're bootstrapped. We don't have the big marketing budgets that the big players have. So we kind of need um, the, the tool to sell itself. And people who use the tool for free, they create forms. They share it with their respondents. They see our brand. They're like, oh, this form looks nice. Let's check it out, and that's how they discovered Tally. So it's kind of like product-led growth, and the freemium plan helps us to do that without having you know to pay for ads or have like big marketing campaigns. You cannot build a no-code tool without having it integrate with other tools. Like that is the I think that's what enabled no-code tools. Uh, you know, form building is it's it's no no-code by default. It was like 20 years ago as well, but just. Uh, it did not exist. Uh, the, the, the word no code didn't exist, but also like the integrations didn't exist. With the rise of uh, you know, Zapier and uh, now Make, uh, that sort of made, I think, in my opinion, like the, the no code system because you can actually have all these different tools play together nicely. The last startup that Philip founded was uh, acquired, and so that gave us like some financial runway to. Invest in ourselves and to start our own company and just like having the savings to last, you know, at least like for a year, we gave ourselves to try this. I had also worked for like 10 years before, so we had some savings, you know, we were not fresh out of school. So if we can do this and build like more like a sustainable. Lifestyle business for our family, that was like the, the first goal. Il ne faut pas se précipiter euh, et commencer à construire. Il faut vraiment appr apprendre les outils. Euh, le, le no code donne cette illusion parfois, et, et en France d'ailleurs un peu moins qu'ailleurs. Je pense qu'en France, le côté éducation, euh, parce qu'il y a certains acteurs dans, les, dans le, la communauté française qui insistent sur l'éducation et qui en font leur business. On voit encore trop de gens qui arrivent en se disant Bon, bah, ça va prendre 5 minutes et tout va bien se passer. Et la vérité, c'est que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que même si ce n'est pas du code, il y a quand même une vraie démarche intellectuelle derrière. Euh, alors après, nous, on pense que. Il y a des gens qui disent Oui, mais si les gens qui sont capables de faire ça sont des codeurs. Moi, je pense que ce n'est pas vrai et on a prouvé que ce n'était pas vrai. Mais après, je pense que tu ne peux pas faire fortune avec un outil qui prend 5 minutes à apprendre. Mais... Le no-code, ce n'est pas facile. Parce que même pour moi, et moi, je considère que j'ai quand même des aptitudes euh, au niveau d'informatique. Ce n'était pas évident euh, parfois, parce que quand même, il euh, faut, faut passer beaucoup de temps pour la prise en main des, des outils même euh, les plus euh, simples hein, en apparence. Il y a aussi euh, des aspects, euh, c'est ça aussi qui est intéressant, que les mêmes outils vont être utilisés par des personnes avec des, euh, des compétences très différentes. Et qui vont chercher euh, le niveau de, de profondeur de connaissance qui va être inégal. C'est ça qui est aussi intéressant avec le no-code. Du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, la côté, euh, je dirais pas accessible, mais on, moins euh, directement manipulable. ce qui est cool, like what you see in Tally, is that for myself, as well as a non-technical founder, you you get introduced into some concepts of code. by using the no-code tools. Like we have like you can inject custom CSS and then your design will look nicer. So you know you're you kinda want to learn like how does this work? Ah there's snippets if I copy this in here it works like that. So you're kinda I mean you're not an engineer but you're kind of coding without realizing it. Like if you if we can play a bigger role in that and you know helping people to get to know like the basics of code that's I think that's pretty cool to see. My best advice for getting started with no code, and this is coming from me, I'm very biased, is to learn how to use spreadsheets. Spreadsheets, I'll guarantee you, will help you learn no code tools faster than any other no code tool. I guess spreadsheets are also a no code tool. And the reason is because behind every no code tool, there is going to be some database. And a database is just very simply a spreadsheet to a certain extent. Et donc, je pense que dès que vous pouvez apprendre à utiliser des formules dans un spreadsheet, à sortir des données, à filtrer des données, ce sera l'une des compétences les plus importantes pour apprendre n'importe quel outil de code. Tool. On a aussi une app, par exemple, qu'on est en train de développer là, où on parle de 8 millions d'utilisateurs, 16 millions de postes. C'est un peu comme un, un social book, bookmarking, donc un peu comme un réseau social. 8 millions d'utilisateurs, oui. Qui va être transféré, ouais, de... Alors, je ne sais plus sur quelle techno ils sont. Qu'on va faire sur Bubble. ouais. Là, c'est plus que pousser Bubble aux limites. Là. Et tu vois, le, le choix a été fait. Il y a eu une discussion de se dire Ok, euh, encore une fois, moi, cette application-là, à 8 millions d'utilisateurs, je, je prendrai le pari que dans deux ans sur Bubble, ce n'est pas un souci. Si on fait une erreur et qu'à un moment, il y a un problème, un truc comme ça, euh, la responsabilité qu'on a impacte beaucoup, beaucoup de gens et, et impacte beaucoup de gens dans le, leur métier, c'est-à-dire dans, dans le. En particulier pour les makers, parce qu'à la limite, bon, les grosses boîtes, euh, le directeur d'IT va râler, puis, puis ça se passe. Voilà. Euh, mais ils ont d'autres options. Mais les makers qui sont sur la plateforme, qui nous utilisent pour eux-mêmes gagner de l'argent, euh, généralement en créant des, des outils pour d'autres gens sur, sur Bubble, si tout d'un coup euh, Bubble ne marche plus et qu'ils ne peuvent plus nous utiliser, là, bah, c'est un énorme impact sur leur vie. donc, c'est une responsabilité assez lourde. On n'est pas du tout dans un marché, je pense, où c'est euh, monopolistique, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais win the take all On peut l'être à terme, mais je pense qu'à terme, c'est à horizon de 10 ou 20 ans, mais pas tout de suite, donc on a encore un peu de temps, euh, on peut être tout à fait être dans un monde où il y a plusieurs outils, l'important encore une fois, c'est de continuer à avoir, euh, être, avoir une visibilité claire sur le marché, que les gens comprennent pourquoi notre outil marche mieux, et de continuer à améliorer le produit, euh, et la compétition finalement ne change pas grand-chose là -dedans. Pour faire un bon outil, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre écouter tes utilisateurs et utilisatrices, et que, comprendre ce dont ils ont besoin, et aussi savoir dire non. Et savoir dire, en fait, tu penses que tu as besoin de ça, mais en vrai, tu as besoin de ça. Après, je pense que dans n'importe quel outil, n'importe quel business, que ce soit un outil ou pas, tu feras des erreurs et, et, et tu vas te planter. Nous, je trouve que là où on est très bon, c'est qu'on se concentre sur une ou deux choses à la fois et on est très focus. Je pense qu'aux États-Unis, je, je le vois un peu, nous, dans les clients qu'on a, euh, le no-code, c'est une stack de plus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait ce côté communauté parce que c'est un. C'est rester au stade d'outil, c'est un outil. Tu vois, où j'ai l'impression qu'en France, par nos codes France justement aussi, il y, a, il y a une communauté de gens autour aussi. Ça va plus loin que juste des outils. C'est une philosophie, c'est peut-être un grand mot. Mais tu vois, il y a quelque chose qui va plus loin que juste, euh, je ne sais pas, une communauté autour de Word, par exemple, tu vois. Parce que ça rebalance les cartes sur qui fait quoi. Il y a un côté créatif, quand même. Il y a un côté créativité, etc. Où je pense qu'on a dépassé le stade de l'outil. Mais en France, pour une fois, on a su prendre de l'avance. Depuis 2019, des no-codeurs et no-codeuses y sont réunis au sein d'un Slack baptisé NoCode France. Cette communauté, elle rassemble des no-codeurs de tous niveau, des amateurs, des amatrices, des experts, des expertes, mais elle a surtout amené à des rencontres. que je suis dans la tech, j'allais déjà sur Aix et Marseille pour participer à des meet-ups. Ne pas avoir d'événement à Marseille, je trouvais ça franchement dommage. J'en ai marre de voir Paris, Nantes, qui ressortent à chaque fois. Et euh, je me suis dit, de toute manière, si je ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire, puisque personne a l'air de vouloir lancer la chose. Et c'est pour ça qu'en février, je crois que c'était le 26 février 2022, j'ai commencé les meet-ups sur Marseille. Personne à Marseille a pris le lead de ça, donc c'est moi qui l'ai pris. La communauté locale de Nantes, je pense que j'y suis arrivé euh, peu de temps après son début. Elle est d'abord née, euh, Amandine pourra peut-être plus le confirmer, avec la cantine. La cantine numérique est déjà un gros hub de, de freelance, de, un gros hub tech, enfin, lié au web en général, aux applications à Nantes. Et donc il y a beaucoup déjà de collaborateurs, de freelance qui travaillaient dans nos codes et qui étaient basés dans cet espace de coworking là Vitrine de l'économie numérique, la cantine de Nantes a ouvert ses portes le 1er janvier 2011 dans une ancienne halle entièrement rénovée. À l'intérieur des bureaux, des salles à louer et à partager pour du travail collaboratif, le maître mot du lieu. Alors ici, on vient avec son matériel informatique, on s'installe et on travaille. On vient à la demi-journée, à la journée ou de façon plus régulière et on s'installe dans un open space et on rencontre d'autres coworkers avec qui on peut échanger sur des idées, des projets et des technologies. L'idée de nos code Nantes, elle naît d'ici. Et euh, évidemment, comme moi, je, je suis très chauvin, on va dire, j'ai tendance à ramener Nantes souvent dans mes présentations euh, assez rapidement. Bah, J'essaie de être voilà, présent à ces événements-là, de les organiser avec, avec toute la team. Et puis, euh, comme à ce moment-là, je faisais aussi un petit peu de stream sur Twitch j'avais le matériel pour, euh, pour diffuser, donc on décide de, aussi de diffuser euh, les, différentes, euh, les différents meet-ups, les différentes conférences qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Donc c'est comme ça que j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice dans nos codes Nantes. Euh, je ne pense pas en être à l'initiative, je n'ai pas le souvenir d'en avoir été à l'initiative, mais par contre, j'ai essayé d'être présent assez vite euh, pour soutenir sur un plan plus technique peut-être. Donc en France, euh, je pense que je, vraiment, je ne m'en souviens même plus, mais je suis arrivé un peu pareil là par hasard. Je pense qu'il y a moyen que ce soit bah, Théo, Roland qui m'en ait parlé... Et euh, on, on, on a vu, alors moi j'étais souvent connecté donc je m'en souviens plus comment je l'ai découvert mais, mais je suis arrivé dessus quand c'était vraiment une petite communauté, je crois qu'on était clairement moins de 1000. tu vois. Euh, on devait être quelques centaines et l'idée c'était un bon moyen aussi pour les webflowers de se rassembler. Je sais que, je crois que c'était à ce moment là où euh, bah en fait je voulais créer moi-même un Slack pour, nos, pour le webflow. Euh, et qu'en fait, euh, bah je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand intérêt vu qu'il y avait une Code France qui était là et que, qu y avait déjà un channel pour le workflow, j'étais en mode, bah en vrai, euh, mieux vaut en profiter et genre aller dessus, euh, ça fera très bien le boulot. Pour moi, c'est euh, l'espace par excellence qui va venir réunir à la fois les curieux, les débutants, les, euh, les experts euh, d'un outil, euh, que ce soit à la fois les créateurs d'outils, les créateurs de contenu, mais également les utilisateurs de ces outils-là, les. Euh, complètement novices, qui découvrent l'écosystème, qui cherchent un peu quelles solutions pourraient convenir à leurs besoins. C'est un, un espace d'échange en francophone, enfin en français du moins, pour, pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'écosystème de code. Sur la notion de, de communauté, par exemple, il faut être vigilant parce que on, on, nous, sociologues, on ne va pas prendre ça comme quelque chose d'existant a priori. Comme les no codeurs vont, par exemple, dire a priori qu'il euh, y a une communauté qui, qui existe, c'est objectif pour eux. Pour nous, euh, le plus intéressant, ça va être regarder les manières de faire communauté. Parce que pour dire qu'il y, qu y a une communauté No Code France, il faut en fait avoir un dispositif pour regarder cette communauté. On, on va aller sur, euh, sur le Slack, par exemple, on va, on va dire, oh là là, il y a 10 000 personnes, c'est la communauté, la communauté, c'est le noyau dur qu'on va retrouver dans les meet Mais du coup, il faut avoir quand même un dispositif qui laisse apparaître cette communauté. Il n'existe pas comme ça euh, dans la nature, tu vois. Et on va plutôt demander à ces dynamiques de, 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 de faire communauté et de, euh, on va pas plutôt penser la communauté comme un processus, même si ça peut paraître un peu paradoxal. Et du coup, par exemple, pour revenir à la question pourquoi il y a une communauté no-code en France et pas ailleurs in en fact, euh, i know the fact that there's a slack for all of no code france. that's like amazing that a whole country has it. and i think it'd be amazing if the united states had one too. but i think that uh, the fact that everyone is so spread out in the united states and cities are very different. so that's why i think you ha see more of these communities popping up in specific cities versus the whole country. the reason for creating the new york uh, no code community, was mostly because, yeah, there's so many different people from different parts, different walks of life using no code tools in New York. And I just wanted to create a forum with my other co organizers where we can all talk about tools and not just one tool, but all the tools that fit within this no code community. And I think the theme across everyone is that we're all kind of builders in our own way. We're not, most of us are not developers. Um, there are some developers and software engineers who are in the community, but most people are just like me who know how to do a little bit of you know Excel formulas and put things together. But the most important part is that we're just all builders. Some people are building their own startups, some people are just using no code tools within their big kind of company. And it started off as a way just to kind of get people together, just sharing best practices. Community is way bigger than the platform because there are some really shitty tools out there, but the community is so strong and they'll put up with like, you know, all these bad features and Bad workflows, but um, if you have people who are willing to give help to others and others are willing to receive that help, then it doesn't matter how crappy or old or unuser friendly the platform is. The people would, I mean, we're all people, the people make the platform. Ce qui m'a marqué dans, dans la communauté, alors au démarrage quand je l'ai rejoint, c'était fin 2020. Je me suis sentie très bien, très bien intégrée. Il y avait beaucoup de beaucoup de bienveillance et puis euh, voilà par nature j'ai commencé à faire des blagues et à créer des interactions, donc euh, c'était plutôt chouette. Mais ce qui m'a marqué euh, dès les premières semaines, dès les premiers mois, c'était une espèce de petite musique euh, qui revenait et qui disait à quel point euh, le no-code c'était euh, un, un levier de diversité et d'inclusion euh, phénoménal. Parce que, euh, j'exagère, mais euh, d'un coup, euh, on allait imaginer des hordes de personnes éloignées du numérique euh, débarquer et construire des sites ou des applications. Mais ce que j'observais sur le Slack ou dans les événements, les webinaires qui, qui s'organisaient à l'époque, c'est qu'il y avait encore quand même une grande majorité d'hommes blancs à peu près du même âge. Et du coup, ça, ça a commencé à me, à me questionner. En fait, pour moi, le no-code, c'est comme n'importe quoi, c'est un, un moyen, mais ce n'est pas une, une fin en soi, il n'y a pas d'outil, il n'y a, a pas de, de méthode, il n'y a pas de lieu qui soit inclusif par défaut. Par contre, ça peut être un, un, un outil pour tenter d'être plus, plus inclusif. Pour moi, c'est une communauté bienveillante parce que c'est une communauté mixte. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans nos codes, mais on n'a pas euh, tous le même, euh, la même base de travail, la même, euh, la même expertise, les mêmes skills. Et du coup, cette mixité, je pense que ça vient de là, la bienveillance. Je pense qu'en France, la communauté a pris énormément d'ampleur grâce à, à des gens comme toi, Stan, et à des gens comme Alexi Kovalenko. Depuis, on est devenus amis, bien sûr, mais je pense que. Je pense que le ton que vous avez donné, la bienveillance, euh, je pense notamment à, à l'écriture inclusive auquel moi j'étais pas sensible au début jusqu'à ce que je me rende compte que beaucoup de sites sur lesquels j'allais s'adressaient à moi comme si j'étais un homme et, et en fait c'est il y a un moment où c'est devenu frappant. La joie de vivre et la bienveillance que vous avez impulsée dès le début ça a créé ça ça a fait que ça a attiré des gens similaires. De, de joyeux et bienveillants. Et, et en fait, au fur et à mesure, il y a eu des gens qui sont arrivés qui n'étaient pas joyeux et bienveillants, mais en fait, ils sont assez rapidement repartis. Parce que, voilà, quand ils faisaient trop, trop dauto les, les gens leur disaient gentiment on n'est pas là pour ça, quoi. Mais le no-code, c'est aussi une grande source de business. Et il y en a certains et certaines qui ont décidé de no-coder professionnellement pour créer des sites, accompagner des entreprises, ou encore lancer leur boîte pour tenter de révolutionner notre monde. Mes études, j'avais euh, connu le fait de d'uploader de sur son site. Donc d'acheter bah, un hébergement, d'acheter un, un nom de domaine, de, 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 avec le protocole FTP, de voir euh, envoyer des informations sur un serveur. Et donc tout ça, ça se fait manuellement, ça peut être un peu effrayant, peur de faire une, une boulette, de mal configurer quelque chose. Et là finalement, avec un bouton, et bien, tout ce que j'ai conçu, ça se retrouve en ligne et tout le monde peut y accéder. Donc ça, euh, j'avoue que j'étais. Euh, euh, assez excité de voir que c'était si simple et euh, finalement que ça se faisait euh, tout, tout facilement. Ce qui m'attire vraiment dans Webflow et dans le no-code à ce moment-là, c'est le fait de pouvoir vraiment tout faire et euh, de pouvoir le faire avec euh, sérénité euh, grâce à cette abstraction technique. Ça me change la vie parce que, euh, bah, comme je disais, j'ouvre un nouvel axe euh, de prestations qui est le développement maintenant, donc, euh, et qui est un secteur qui est très porteur mine de rien, qui est un secteur qui ne connaît pas forcément la crise. Euh, donc euh, tout de suite, ça change la vie euh, financièrement. Je passais de, de designer qui essayait de vendre ses services euh, à la fois en print, à la fois en web, euh, à aujourd'hui euh, voilà, quelqu'un qui avait une vraie prestation, un vrai package à vendre. 2020, comme beaucoup de personnes, voilà, ça a été une année qui jette à beaucoup de, de rebondissements, de réflexions personnelles, professionnelles. Ça faisait déjà quasiment une douzaine d'années que je faisais du recrutement, que je l'avais pratiqué en interne chez Louis Vuitton, en cabinet à l'étincelle RH, que j'avais recruté pour tout un tas de, de métiers, de secteurs d'activité. Et j'étais toujours tout à fait passionnée par mon métier, mais je sentais bien qu'il y avait matière à, à me réinventer. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, pour me réinventer, il faut peut-être que je fasse tout sauf du recrutement. L'idée, c'était vraiment d'en sortir, d'aller voir ailleurs, d'explorer plein de choses et de voir ce qui allait se passer. Pendant cette période-là, j'ai eu plein d'itérations de, plein de, de, et de projections successives à l'aide de l'upcycling de t-shirts de rock pour en faire des vêtements pour les enfants des, des, des rockers. J'ai aussi exploré la thématique de la user research qui faisait beaucoup écho à ma formation en, en psychologie sociale. Je me suis jamais dit que j'allais quitter le recrutement de façon définitive. Je pense que un des trucs dont je suis le plus fière et pourtant c'est pas euh, une, euh, un exploit euh, no code quand on voit euh, plein d'autres euh, plein d'autres projets, ça a été la création de mon site euh, donc tentagedestrucs.fr. Euh, c'est tout bête. Je suis partie euh, d'un euh, back office sur euh, sur euh, Notion, avec une base de données. Et donc, avec super.so, j'ai pu en faire un site web. Et euh, vraiment, ça, je pense que symboliquement, euh, je ne pensais pas un jour moi-même fabriquer mon propre site web. Je pense que le, je peux dire que le code a, a changé ma vie, en tout cas, a participé à, à, à changer ma vie. D'abord parce qu'effectivement, maintenant, je sais que je suis capable euh, de, de faire des choses que je ne pensais pas être capable, être capable de faire. Et d'ailleurs, peu importe si je l'ai fait ou pas, en fait, l'important, c'est le sentiment de, de se sentir capable. Aujourd'hui, je gagne très bien ma vie en travaillant assez peu. Et je pense que ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement parce que je me suis en fait, en fait tout de suite après les études en freelance. Et que j'ai monté assez vite aussi hein, mais... mon TJM, grosso modo, parce qu'au bah, bout d'un moment... Ça sert à rien de se d'évaluer, dé toute sa vie, tu vois. Faut, c'est un peu ce côté, bah, tu testes. Moi, je me pose souvent la question est-ce que demain, euh, si je devais être embauché, qu'est-ce que je ferais Bah, j'en ai aucune idée, parce que à proprement parler, des compétences, tu vois assez rarement des gens qui sont embauchés juste parce qu'ils font bien du webflow. Ça arrive, mais quand même pas énorme. Ils ont d'autres compétences. Je suis pas bon au marketing. Quand j'en faisais, j'étais pas bon. Euh, je pense que ça s'apprend, mais euh, le fait Je ne voilà, je suis pas très bon. En fait, j'ai pas beaucoup. Eu, de compétences où je me considère vraiment, où je pourrais amener une pub. Et est-ce que ça a changé ma vie Clairement, parce que marketing, bah voilà, pas top. Le design, pas top non plus. En fait, je suis plutôt un mec qui a toujours été dans la moyenne, tu vois. Et donc là, le marketing a permis vraiment de. Euh, le market, pardon, le no-code a permis de me différencier d'une certaine façon et de monter un peu plus. Et de m'affirmer aussi en tant que personne. Au début des années 90, être une femme dans les Hautes-Alpes, dans la tech, c'était pas le bon combo. Avant, je travaillais dans l'animation, je travaillais une grosse partie de ma vie, 20 ans en fait, dans l'animation en tant qu'animatrice et adjointe de direction dans un accueil de loisirs. Du coup, quand après, j'ai voulu reprendre, choisir quelque chose après ma période d'animation, je suis revenue de suite dans le web et surtout dans la programmation parce que je savais que ça allait me plaire, puisque c'est ce que j'avais vu avant. Mais la problématique, c'est que... Je n'avais pas surfé euh, en même temps que tout le monde dans les années 2000 sur le web. Première rencontre avec le NoCode date de août euh, 2020 où euh, il avait fallu que je trouve une solution pour des clients en fait. Euh, et du coup euh, j'ai cherché qui, quel outil NoCode euh, allait convenir aux besoins et en cherchant ben, je suis tombé sur Bubble euh, et après euh, la suite euh, Bubble, Thibaut, Thibaut, Otto et et un pied dans nos codes. Ma journée type chez Auto, elle a un peu évolué depuis que je suis rentrée, puisque au départ c'était pour prendre en charge et être mentor sur des, des bootcamps. Mais maintenant, du coup, je gère un peu les partenariats avec, avec les, les écoles. Donc, du coup, quand le partenariat est monté, moi je suis là pour faire le relais entre Auto et l'école. Et euh, je manage les mentors qui sont sur ces événements-là. Avant le no-code, euh, je n'avais pas beaucoup de bagages. Pas été très loin dans, dans les études et tout. Jusqu'au no-code, vraiment, j'ai eu une vie. Mais ma vraie vie, entre guillemets, des fois, j'ai envie de te dire, elle a commencé il euh, bah, euh, y a 4-5 ans, quand j'ai vraiment commencé à. Il bah, y, y a trois ans, en tout cas, dans le no-code, mais un petit peu avant, quand j'ai vraiment commencé à vouloir évoluer professionnellement. Jusqu'à maintenant, ce qui, ce qui, ce qui m'a aidé à m'en sortir hein, par rapport à, à ma vie d'avant, où j'ai fait plein de petits boulots, livreur de pizza, vendeur, c'était super. Ouais, mais quand je faisais ces boulots, euh, je me levais le matin, mais j'étais pas content hein, d'aller travailler, tu vois. Et, et, et ce qui m'a fait m'en sortir, c'est bah, d'apprendre euh, cette compétence, d'apprendre le no-code, d'essayer de performer, d'essayer d'être dans les meilleurs, tu vois, je faisais pas vraiment la différence entre un outil no-code et un outil euh, sur l'étagère, comme on dit, comme calendrier. Là où j'ai commencé à comprendre que c'était du no-code, euh, c'est en écoutant de plus en plus de podcasts, en voyant que effectivement, comparé à un outil sur l'étagère, là, je pouvais vraiment créer un petit peu ce que je voulais, customiser selon mes besoins, mais sinon, non, je savais pas que c'était un outil no-code. Termine un hein, des épisodes de podcast. Euh, et là, euh, j'arrive sur un Slack. Je, je suis timide, je suis perdu. Je... Ça, ça parle un petit peu, ça parle d'outils. Et puis, c'était marrant parce que je me rappelle euh, à l'époque, tous les mardis à 18h, il y avait la petite notif, on se retrouve sur le Cumo Space. Et là, moi je me connecte au Cumo Space et je te balade mon bonhomme, du coup, parce qu'en fait, ton bonhomme, tu te balades sur une, une carte. Et là, j'essaye de, de m'incruster dans des, dans des groupes. J'entends, ça parle et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte Je comprenais rien. Avant le code pour te parler franchement, euh, mon cercle d'amis, euh, il a beaucoup changé. J'ai gardé un ami, on va dire, franchement, depuis. Et par contre, ça, c'est ce que j'ai perdu. Et par contre, ce que j'ai gagné, l'impact. Là, comme tu vois, on est dans mon appartement, je suis propriétaire depuis pas longtemps. J'ai fait ma crémaillère, il y avait euh, des gens du no-code, en fait, des, des, que je considère presque comme, comme des amis pour certains, tu vois. Même si demain, le no-code, c'est fini, je sais que. C'est pas grave, j'arriverai à faire autre chose, j'arriverai à développer quelque chose d'autre. Donc, c'est plutôt cette capacité de prendre des risques. Avant, par exemple, j'écoutais pas de, de, de podcasts, maintenant j'en écoute beaucoup, je lisais pas beaucoup, maintenant je lis un peu, un, un peu plus. C'est vrai que j'accentue beaucoup sur, le, sur la partie vraiment sociale, sur la partie bah, financière. Bon, ça, ça, ça a pris du temps, mais maintenant j'ai pas à me plaindre de, de ce niveau-là. Sur l'aspect travail, en fait, comme je te disais, le matin je me levais, j'allais faire un travail qui me plaisait pas trop, j'allais à reculons. Là, en fait, franchement, le dimanche soir, je suis content, tu vois. Je suis pressé je me dis, putain, mais vite que je dorme là, vite que ça passe ça, parce que là, demain, il y a trop de trucs à faire. Il y a tel projet, il y a tel client qu'il faut que j'appelle, il y a tel deal que je suis en train d'avoir. Et puis surtout, ça m'a donné vraiment ouais, une confiance en moi, je pense. J'ai un client, il m'a filmé, euh, tu vois, son bureau et tout, et tu sais, ça m'a touché parce qu'il m'a dit, c'est grâce à toi, tout ça et tout. Avant, euh, il y avait, venant des patrons, des managers, dans les petits boulots que je faisais, il n'y avait jamais de reconnaissance, tu vois, euh, voilà. Donc, euh, ça m'a énormément, énormément apporté. Euh, on a pu voyager, on a fait des, 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 des semaines à Lisbonne, j'ai pu voyager, des semaines à Athènes. La communauté, des compétences, une confiance en moi, des, des nouveaux amis, que du bonheur, hein, franchement. Mais est-ce qu'au fond, cette révolution de code, c'était pas le dernier élément qu'il manquait dans notre équation pour enfin nous permettre de pouvoir créer sur les internets sans aucune compétence technique D'enfin oser d'enfin se lancer, d'enfin se sentir capable d'eux. S'il faut retenir une chose, c'est que cette révolution de no code, elle est loin d'être terminée. Je pense qu'elle fait même que commencer. Elle va continuer dans les années à venir à redéfinir la façon dont on peut créer ou innover partout sur les Internets. Alors qu'est-ce que t'attends pour rejoindre la révolution de no code